Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans, je skie depuis plus de 20 ans, je suis de Clermont-Ferrand et aujourd'hui on se retrouve à Chamonix pour le test des nouvelles Raycon 110 de chez K2 avec notamment le nouveau système BOA qui est très intéressant parce qu'il permet une fixation tout en souplesse, tout en douceur et aussi un serrage parfait au niveau du coup de pied. Second point fort donc de cette chaussure, c'est aussi sa semelle qui au niveau du talon peut être renforcé avec cette partie en caoutchouc qui va permettre une meilleure absorption des chocs. Également au niveau du chausson, on va retrouver un renforcement au niveau du coup de pied pour avoir un meilleur confort. Et le système au niveau à l'intérieur du talon d'Achille, où en fait la goulotte est entièrement dessinée, qui permet un très bon maintien au niveau de la cheville. Le rendu est vraiment très sympathique, avec des petits effets carbone sur l'arrière de la chaussure également. À savoir que sur cette chaussure, nous pouvons absolument régler tout ce qu'on souhaite pour pouvoir personnaliser au maximum son confort. On a skié toute la journée avec les nouvelles K2, très positif, très réactif, au niveau du Flex 110, très agréable également. Le système BOA est fort appréciable quand on arrive en bas pour pouvoir déchausser et pouvoir marcher. J'ai un très bon maintien du pied et surtout on ressent au niveau de la coque que notre pied est très bien maintenu. Et c'est vraiment une chose très importante que je n'avais pas eu dans d'autres chaussures au préalable.